Ouais, bah, c'est une super journée à hier. Aujourd'hui, on a eu un parcours technique et un petit côtier. Et bah, ça nous a réussi parce que sur le premier parcours technique, on gagne. Et sur le parcours côtier, on fait deux. Mais bon, à chaque fois, on est devant notre adversaire principal, bien évidemment. Car le but, c'est de prendre des points tous les jours. Et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, à continuer à prendre des points et à réduire l'écart avec donc le leader pour l'instant du classement, qui est Courrier Dunkerque. Au lieu de se taire un petit peu et les points importants dans cette reprise en main de la course, qu'est-ce que tu vois toi? Le secret, il n'y en a pas. Je crois qu'on a l'avantage de bien tous se connaître et donc on travaille avec beaucoup d'applications et sans pression. Donc on est appliqué, on fait les choses avec plaisir, dans la bonne humeur, en étant concentré. Et voilà, donc ça se passe plutôt bien la preuve et il n'y a pas vraiment de secret. Hein. Dans la dernière manche, le parcours côtier, on a vu dans le long bord de près Dunkerque qui est revenu fort, quasiment en contact. Alors en fait, sur le parcours côtier, on s'est retrouvé avec la côte à gauche. Donc on avait notre cœur balancé, on allait dire, entre un peu plus d'air à droite et un effet de site à gauche. Et en même temps, on avait un adversaire qui était devant nous et un adversaire qui revenait. Donc la stratégie s'est transformée petit à petit en tactique. Et à chaque fois, on essayait de comparer les gains qui se produisaient en se décalant soit d'un côté, soit de l'autre, en protégeant bien évidemment toujours notre adversaire principal, qui est Dunkerque. Et donc voilà, donc forcément, ça les a laissés revenir un petit peu, car on était un peu hésitants. Mais on a toujours gardé le contrôle et l'œil sur eux pour rester devant. 7, je crois 7 que c'est 7 points, il me semble, ouais. À vérifier, points, mais je crois que c'est 7 points. Ça commence à devenir de plus en plus jouable. Hein. Ça commence à devenir jouable et ce qu'il y a de bien, c'est que nous, on avance toujours tranquillement parce que, bon, de toute façon, il faut continuer à bien faire le job et ouais, c'est jouable. Si on continue comme ça, tranquillement et avec application, c'est possible. Merci Christophe.